Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le top 3 des clips Destiny de la semaine. J'espère que vous allez kiffer les actions de cette semaine. Si vous avez des actions à nous faire parvenir à votre tour, n'oubliez pas les petites règles du jeu comme d'habitude. Envoyez-nous un clip de 2 minutes maximum. On accepte les enregistrements via téléphone portable à condition que la qualité soit acceptable. N'oubliez pas de mettre un titre à votre clip et à votre mail afin qu'on retrouve plus facilement les mails que l'on reçoit dans toute la quantité de mails qu'on a sur notre boîte. N'oubliez pas également de préciser votre pseudo et le lien de votre chaîne YouTube si vous souhaitez qu'on la mette en avant. Envoyez-nous tout ça par email à l'adresse zombiefactory@gmail.com. Et un petit rappel, pensez bien qu'on préfère recevoir les liens des vidéos déjà uploadées, c'est plus facile à traiter. Et c'est parti, on commence tout de suite avec le top 3 de la semaine. Et c'est parti, on commence en douceur avec un clip de Marv Loco. Il est donc en PVP, en mode domination. Pour l'instant, il ajoute tranquille, les lourdes viennent de tomber. Il fait donc quelques kills tranquillement aux roquettes et il a tout à fait raison, puisque cela va lui permettre de faire monter son super. Donc c'est ce qui va lui permettre de faire la très belle action qui va suivre sur la fin de ce clip vidéo. Donc là, il a son super, il pourrait le lancer tout de suite, vous voyez, il pourrait vraiment le jeter comme un fou, mais il va agir intelligemment, il va temporiser, il sait que les ennemis sont là, et il sait que les ennemis viennent de capturer un point, donc tout simplement, il les attend, il se fie au radar, et là, boum, déclenchement de super, et là, il nous fait une feed phénoménale. Bon, il est mort, il y a un petit décalage de connexion, c'est dommage, mais en tout cas, il a vraiment super bien temporisé, donc félicitations à lui pour ce clip. Une très belle action en PVP. À la deuxième position cette semaine, un clip de Spartiate Noob. Il est sur Osiris avec sa team. Le début de la manche est lancé, donc vraiment, vous allez voir, c'est très rapide. Les équipes viennent de spawn, ils se rushent les uns contre les autres, et là, tout simplement, la triple élimination à coup de gun, à coup de grenade. Il se retourne, hop, le troisième au fusil à pompe. Trois éliminations, trois armes différentes, un très beau skill en Osiris. Et enfin, la première position cette semaine, un clip de Clip 34. Il est en Osiris lui aussi. Donc ses alliés sont morts, c'est le dernier joueur de la partie. Il reste encore deux adversaires juste en face. Il vise au sniper le spectre de l'ennemi, mais là, les deux adversaires en face le rush et fonce sur lui, donc il se retrouve seul face à ses deux ennemis et il va réussir à tenir tête. À chaque fois, il en élimine un, ce qui fait que l'autre recule, il arrive à les tenir comme ça. Il reste plus qu'un seul ennemi et là, il a tout simplement la chance de pouvoir déclencher son super après avoir fait quelques éliminations. Et donc, petit coup de super épéiste et il a complètement sauvé la partie. Une très très belle action pour ce mode Osiris en PVP. Si à votre tour vous avez des actions que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à envoyer-nous tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bravo aux trois personnes qui ont été sélectionnées cette semaine. Et surtout, bonne chance et bon courage à tous ceux qui nous envoient régulièrement des clips. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !